Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année 2020. J'espère que vous avez fêté de très belles manières l'arrivée de ce nouvel an. Donc nous on repart avec de nouvelles vidéos, on ne s'arrête pas de grandir. On est quasiment 6500 sur la chaîne, c'est des chiffres de malade. 2 mois après le lancement de ce projet, franchement la team, vous gérez, vous me faites plaisir. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait un post récemment pour annoncer le vainqueur du jeu concours que j'ai organisé sur la chaîne. Il s'agit de Belamin Ali. Donc si la personne voit cette vidéo, je la sonde de me contacter via Twitter ou alors Facebook ou alors Instagram, en tout cas le plus rapidement possible. Elle a 1 semaine pour réclamer son prix. Donc Belamin Ali, tu sais ce qu'il te reste à faire. Pour ceux qui n'ont pas gagné, je tiens à vous rappeler que je vais organiser un nouveau jeu concours très bientôt. Cette fois-ci, ça va vraiment récompenser les abonnés les plus anciens, c'est-à-dire les abonnés les plus actifs, les abonnés les plus fidèles. Donc restez à l'écoute, je vous donnerai les détails du jeu très bientôt. La Liga est de retour, donc on se concentre désormais sur le match qui nous attend face à l'Espagnol de Cornellà. C'est comme ça que je vais les appeler, me demandez pas pourquoi. Un derby de Barcelone donc qui se déroulera ce samedi 4 janvier 2020 au stade Cornellà El Prat. Avant de parler de ce match, j'aimerais revenir sur la forme du Barça qui ces dernières semaines s'est un peu détérioré. On pensait qu'il y avait du mieux et puis il y a eu le match contre la Real Sociedad où il y avait vraiment une vague de panique. Ce qu'on a montré dans le jeu était très très inquiétant. On n'arrivait pas à enchaîner 2 passes, on s'est fait bouffer dans le jeu par la Real Sociedad. Et puis après, il y a eu le match face au Real Madrid. Là encore, un match nul. Mais le Real Madrid nous a bouffé du début à la fin. C'était extrêmement inquiétant. Donc le match, la victoire face à Alavés, pour moi, n'est qu'anecdotique. Parce que Alavés était une équipe super faible. Et gagner au Camp Nou face à une telle équipe est tout sauf un exploit. Donc le Barça est parti en trêve en s'assurant de la première place. Surtout que le Real Madrid, qui était premier avec nous, avait l'occasion de rester premier tout seul. Mais en 2 semaines, eux aussi, on dirait qu'ils sont allergiques à cette place de premier. Le Real Madrid, c'est la même histoire avec eux à chaque fois qu'ils sont premiers. On sait pas trop comment ils ont fait pour se retrouver à la première place, mais ce dont on est sûr, c'est qu'ils vont finir par tomber. Comme cet éléphant. Donc oui, le Barça est premier de la Liga, mais le Barça est encore dans une crise de jeu. Si on est premier aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout parce que l'Atlético Madrid et le Real Madrid ne tiennent pas du tout la route en Liga, parce que si ils avaient fait le minimum aujourd'hui, le Real Madrid surtout, ils auraient facilement été premiers en Liga. Donc il y a vraiment énormément de choses à améliorer pour cette deuxième partie de saison, et le Barça doit relever la tête dans le jeu, dans les intentions pour espérer de grandes choses. Donc on arrive dans ce derby dans une forme, on va dire, un peu bizarre, parce qu'on ne sait pas vraiment où en est le Barça. Est-ce que l'équipe va sortir un gros match, comme ils l'ont fait par exemple face à Dortmund, la première mi-temps, comme ils l'ont fait face à Mallorca, ou alors ça va être plus comme le match face au Real Madrid, ou alors face à la Real Sociedad. Donc on va attendre de voir comment ça va se passer, parce que cette équipe est capable du meilleur comme du pire, mais quoi de mieux que de se relancer face à son pire ennemi local. Pour parler de nos voisins, ils avaient investi en début de saison avec un projet ambitieux. Ils ont quelques joueurs qui ont de la bouteille, des joueurs tels que Granero, Ander Iturraspe ou alors Victor Sanchez. Ils ont aussi des jeunes tels que Oscar Melendo, qui est capable de nous faire mal comme il l'a fait en 2018 d'ailleurs. Mais c'est une équipe qui est en crise extrême au point de s'être séparée déjà de Pablo Machin. Pablo Machin qui s'est fait débarquer à la suite des déconvenues. Lui qui s'était déjà fait débarquer du banc du FC Séville un peu pour les mêmes raisons. Mais le problème, c'est que Pablo Machin, c'est quand même un coach qui est quand même intéressant. Il avait fait notamment du très bon travail avec Gérone. Il avait réussi à la faire monter en première division et à faire un jeu attrayant et très agréable à voir. Mais il faut croire que la carrière de coach ne se limite pas à uniquement avoir des compétences. Il y a parfois des coachs qui se cassent les dents lorsqu'il faut aller plus haut. Et je pense que lui, il a eu ce problème-là. Il a donc été remplacé par Abelardo Fernandez très récemment, parce que c'est juste avant la trêve pour les fêtes de fin d'année. Donc Abelardo Fernandez prend une équipe en crise. Dernier du championnat, lanterne rouge. L'Espagnol risque très fortement de se retrouver en deuxième division à la fin de la saison si les choses n'évoluent pas de leur côté. Parce que là, c'est vraiment inquiétant la saison qu'ils sont en train de réaliser jusqu'à ce moment. En tant que fan du Barça, pour vous dire la vérité, moi, ça ne me dérangerait aucunement de voir l'Espagnol partir en deuxième division. Pour la simple et bonne raison que l'Espagnol est un club qui, historiquement, a toujours eu des liens étroits avec le Real Madrid. À chaque fois qu'ils ont affronté le Real Madrid, c'est toujours opération porte ouverte. On laisse le Real faire ce qu'il veut. Veulent nous mettre des tôles, mais à chaque fois qu'ils affrontaient le Barça, alors là, ils partent à la guerre. S'il faut arracher une jambe et rentrer à la maison, aucun problème. Alors oui, il y en a qui vont nous dire que c'est un derby, c'est normal, mais
Je veux dire, de notre côté, l'Espagnol a aussi eu des liens étroits avec le Real Madrid, même en termes de transfert, parce que l'Espagnol a souvent vendu des joueurs au Real Madrid, et nous, ça a toujours été une politique hostile. D'ailleurs, pour faire la comparaison avec l'Atlético Madrid et le Real Madrid, c'est un derby là aussi qui est chaud. L'Atleti ne fait aucun cadeau au Real, sauf que dans un autre sens, ils ne nous font aucun cadeau à nous non plus, le Barça. À chaque fois qu'ils nous rencontrent, le nombre de fois où on s'est pris des coups, on s'est pris des tacles à la gorge. Voilà ce que j'appelle, moi, un vrai esprit compétitif, contrairement à l'Espagnol qui, eux, face au Real Madrid, comme je l'ai répété tout à l'heure, font n'importe quoi, et lorsqu'ils nous affrontent, nous, c'est là, il faut mourir sur le terrain. Donc moi, les voir en deuxième division, ce serait pas la première fois de leur histoire, ça me ferait super plaisir. Mais tiens donc, on nous avait dit il y a quelque temps que l'Espagnol Barcelone avait signé le Messi chinois. Je ne m'attarderai pas plus longtemps sur cette comparaison loufoque et ridicule. J'aimerais juste vous parler d'une anecdote. Pour ceux qui ne le savent pas, notre coach actuel Ernesto Valverde est un ancien de l'Espagnol de Cornellà. Donc tout s'explique. Si on se demandait pourquoi est-ce que Valverde faisait des choix bizarres tout au long de la saison ces dernières années, c'est uniquement parce que je pense que c'est un infiltré. C'est un vrai fan de l'Espagnol et aujourd'hui le démontre dans ses choix, dans sa manière de nous tirer vers le bas et dans sa gestion. Je ne vois aucune explication possible autre que cela. J'ai fait ma petite investigation et je pense que c'est ça la raison pour laquelle Valverde nous tire autant vers le côté négatif. Trêve de plaisanterie, on passe désormais à la composition probable que Ernesto Valverde va aligner face à l'Espagnol. Faut d'abord noter que Ter Stegen et Arthur seront absents pour ce match. Ter Stegen a déclaré forfait récemment pour ce match. Arthur Melo, il se dit qu'il a une pubalgie, qu'il sera absent pendant 3 semaines, donc on espère vraiment que c'est quelque chose qu'il pourra régler le plus rapidement possible et revenir à la compétition pour retrouver son meilleur niveau. Je pense donc que Neto va débuter pour sa première fois en Liga. À droite, on aura très certainement Nelson Semedo. Je vous rappelle que Sergi Roberto a perdu sa maman, malheureusement. Sa maman qui était malade depuis pas mal de temps et elle nous a malheureusement quittés en cette fin d'année. Donc c'est vraiment une situation difficile pour lui. On lui souhaite vraiment tout le courage de la planète. C'est pas facile de perdre un proche. Ce sont des joueurs, mais ce sont aussi des êtres humains. Donc je compatis vraiment beaucoup à sa peine et je lui souhaite toute la force du monde pour surpasser cet événement douloureux. Je pense que dans l'axe, on aura du Piqué, l'anglais, du classique là aussi. À gauche, on aura très certainement Jordi Alba. Au milieu, on aura peut-être un retour du milieu de terrain Busquets, Frenkie de Jong, Ivan Rakitic, parce que je ne sais pas ce qui se passe avec Arturo Vidal. Apparemment, il y a un problème avec la justice. Il a dû attaquer le club en justice pour des bonus qu'il n'aurait pas reçus. Encore une histoire incroyable. Je pense qu'à ce rythme, on va devenir le FC Hollywood, va dépasser le Bayern Munich à l'époque. Et là, ça risque de vraiment perturber le groupe, à moins que Arturo Vidal ait fait ça sciemment pour forcer son départ en hiver. Pourquoi pas? Mais je pense que si on le refait jouer avec tout ceci et lui montrer qu'il est important pour l'équipe et qu'il suffit de menacer le club en justice pour avoir plus de temps de jeu, alors là, je pense qu'on aura touché le fond du fond. Je pense qu'en attaque, il partira avec le classique désormais Messi, Griezmann, Suarez, en espérant que leur entente continue à grandir et nous sortir un gros match. Ça serait vraiment bien pour reprendre l'année du bon pied. On passe désormais au sondage affiché sur la chaîne. Vous êtes nombreux à penser que ça va être une victoire convaincante et facile face à l'Espagnol. Peut-être que c'est dû au fait aussi que l'Espagnol est dernier du championnat, lanterne rouge. Écoutez, moi je vais vous suivre là-dessus. L'Espagnol traverse une crise très profonde et ils viennent de se séparer de leur entraîneur, un nouvel entraîneur en place. Il n'aura pas assez de temps d'avoir travaillé les automatismes avec ses nouveaux joueurs. Il vient d'arriver le 27 décembre, je vous le rappelle. Donc oui, on pourrait croire au boost mental que l'arrivée d'un nouveau coach pourrait apporter à une équipe en crise. Mais pour ce coup, je ne pense pas qu'ils soient capables de rehausser leur niveau vu ce qu'ils ont montré depuis le début de la saison. Néanmoins, ça reste un derby et l'Espagnol va essayer de combler le manque de technique qu'ils ont, le manque de qualité qu'ils ont par de l'agressivité extrême. Donc il va falloir se méfier de ça, ne pas sortir de ce match avec des blessures. Et moi, je pars sur une prédiction de 2-0. J'espère vraiment qu'on va gagner ce match parce que d'abord, un derby, ça se gagne, surtout face à l'Espagnol. C'est un club que je déteste, je ne vous le cache pas. Et j'espère qu'on pourra vraiment montrer de belles choses durant ce match. Alors pour l'Espagnol, moi, je n'ai surtout pas envie qu'on soit le club contre qui ils vont se servir de tremplin pour sortir de crise. Comme on l'a déjà fait par le passé, on est déjà tombé sur des équipes qui étaient lanterne rouge. Et malgré ça, ces équipes-là nous ont malmenés, ont réussi à nous battre ou
alors à nous accrocher en faisant un match nul. Cette fois-ci, c'est différent, c'est un derby et j'espère que les joueurs vont donner tout ce qu'ils ont sur le terrain pour enfoncer cette équipe de l'Espagnol de Cornellà. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous attendez de ce match. Est-ce que vous attendez un match quand même assez tendu? Est-ce que vous voulez voir un joueur en particulier briller pour tirer son épingle du jeu? Donnez-moi vos avis, j'ai hâte d'en discuter avec vous dans la section commentaires. Vous savez que je réponds vraiment à tout le monde, donc allez-y, donnez-moi vos avis pour en discuter davantage. Avant de terminer la vidéo, je tiens à rappeler le nom du gagnant du jeu concours organisé sur la chaîne, la somme des 50 €. Donc Belamine Ali, si tu regardes cette vidéo, je te sens de me contacter le plus rapidement possible sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook ou même en commentaire. Je pourrais m'assurer de te remettre les 50 € de la manière dont tu le préfères. C'est donc déjà la fin de cette vidéo. Merci encore une fois de m'avoir suivi. On est bientôt, comme je l'ai dit, 6500. Peut-être qu'à la fin de cette vidéo, on aura déjà dépassé les 6500. Je vous remercie encore une fois, vous les abonnés, d'être là, toujours aussi présents lorsque je publie des vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir de vous voir, de commenter, de discuter avec vous. J'espère qu'on continuera à grandir ensemble au courant de cette année 2020. On se retrouve pour le débrief d'après-match de la rencontre face à l'Espagnol. D'ici là, prenez tout soin de vous et à très bientôt.